Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous. J'ai le plaisir de vous souhaiter la bienvenue au nom de toute l'équipe de Malraux et de la base. La base, c'est le tiers-lieu culturel où vous êtes installés en ce moment. Alors, certains d'entre vous connaissent très très bien ce lieu, mais pour les nouveaux qu'on a le plaisir d'accueillir ce soir, vous êtes dans ce tiers-lieu culturel où vous allez pouvoir suivre ces rendez-vous à penser, mais aussi plein d'autres choses, plein d'autres événements, des moments qui sont les vôtres où vous pouvez aussi vous-même proposer des rendez-vous à penser comme ce soir, des rencontres, des expositions, des moments de programmation au cinéma qui est juste à côté, des moments plus festifs. Ce lieu, c'est le vôtre qu'on a envie de partager tout au long de l'année. Pour cela, il y a des collectifs projets auxquels vous pouvez vous inscrire si vous le souhaitez, si vous avez envie aussi, vous, d'apporter des projets au-delà de ces moments où vous pouvez venir en profiter librement. Ces rendez-vous à penser que nous avons, c'est toute la saison, une fois par mois, avec Livre en Marche et aussi avec d'autres partenaires, notamment avec l'Université Savoie-Mont-Blanc, qui nous fait des propositions toute l'année, des moments aussi de cinéphilo qui sont proposés avec eux. Et comme je disais, vous pouvez aussi vous-même en proposer. Pour ce mois de novembre, avec Livre en Marche, une nouvelle invitation qui est proposée par Dominique Favario, président de Livre en Marche, et toute l'équipe qui est là à nos côtés pour organiser ce rendez-vous. Et remercier également la librairie Garin, qui est juste derrière vous, qui est vraiment un formidable partenaire. On le redit à chaque fois, mais on ne peut pas s'en passer de le redire. Qui sera là aussi présent à la fin de la rencontre pour un moment de dédicace. Merci Dominique, avant de te passer la parole, remercier bien sûr Lou Osborne, merci beaucoup d'avoir répondu aussi vite et brillamment à cette invitation, on est vraiment très très contents de vous accueillir ce soir à Chambéry, merci d'avoir pris ce moment de voyage pour nous rejoindre et très très bonne rencontre à vous. Je passe la parole à Dominique qui va vous faire un petit mot aussi avec les prochains rendez-vous, merci beaucoup. Merci Emmanuel et merci à la base et à la scène nationale Malraux de nous accueillir fidèlement tous les mois. Nous essayons toujours de trouver des sujets qui touchent à l'actualité, qui nous touchent, pas forcément directement, mais qui ont des conséquences dans notre vie aujourd'hui ou demain. Donc ce soir, moi je voudrais remercier deux femmes exceptionnelles. Alors il y en a une qui n'est pas là, il y en a une qui est là. Celle qui n'est pas là, c'est Sophie Kaya. Sophie Kaya, qui a des attaches chambériennes, a décidé de lancer une maison d'édition. Je pense qu'il ne vous aura pas échappé qu'aujourd'hui, l'information est aux mains d'un certain nombre limité de personnes, notamment au niveau d'édition. On parle de la bolorisation de l'information, avec toutes les conséquences politiques qu'il y a derrière. Et il y a des gens courageux qui disent ben, on ne va pas se laisser faire, on va prendre des...
carrément se lancer. Et donc, Sophie Caillat a créé une maison d'édition qui s'appelle Les Éditions du Faubourg. Et c'est donc cette maison d'édition qui a édité le livre de Lou Osborne, que vous pourrez acheter si vous le souhaitez. Lou sera là après la conférence pour le signer. Il y aura aussi quelques autres livres des éditions du Faubourg. Une petite parenthèse financière, qui est une de mes activités dans des vies précédentes, c'est que Sophie Caillat, pour son projet, qui n'est plus un projet, qui est un fait, est en train de faire une levée de fonds actuellement sur une plateforme collaborative qui s'appelle Lita. Donc, si vous vous intéressez à la liberté d'expression, au monde de l'édition, eh bien, vous avez la possibilité de devenir associé de cette maison d'édition, y compris pour des sommes modestes. Ce n'est pas vraiment une question de... Il n'y a pas de minimum, en quelque sorte. Et je connais un certain nombre de personnes ici qui ont déjà contribué à cette initiative. Donc, voilà, si ça vous parle, bah, vous allez sur la plateforme Lita, et ce sont les éditions du Faubourg. La deuxième personne exceptionnelle que j'ai à ma droite, c'est Lou Osborne. Et moi, je suis toujours impressionné par des gens qui sont dans l'ombre, on peut dire, qui sont discrets, qui sont engagés dans des sujets de stature mondiale, il faut le dire. Et donc, je suis allé accueillir Lou à la gare tout à l'heure, et elle m'a fait une petite confession que j'ai beaucoup appréciée. Hein, au-delà du fait qu'elle a abandonné son petit 2 ans et demi pour venir chez nous ce soir, donc ce qui en soi est déjà courageux, elle m'a fait une concession, elle m'a dit « je préfère être avec vous que sur les plateaux de BFM ». Donc, ceci vous donne tout le niveau qu'a atteint les rencontres de Livre en Marche avec Malraux, puisque nous sommes en train de surpasser BFM, donc c'est très bien. Hein, ouais, d'accord. Donc, voilà, on a encore un grand potentiel devant nous. Donc, merci à Lou d'être là. Franchement, c'est formidable. Vous allez découvrir des choses qui sont exceptionnelles. Je remercie aussi Martial Schuller, qui est devenu un de nos fidèles modérateurs, qui s'engage sur ces sujets. Martial travaille beaucoup quand il accepte de prendre cette responsabilité. Et je suis certain que nous allons passer ensemble un moment très fort. Vous allez voir, il y a vraiment du contenu et ça déménage. Merci et bonne soirée. Excusez-moi, j'ai oublié une petite précision aussi. Je ne vous ai pas dit que cette conférence, justement, va peut-être dépasser BFM, puisqu'elle est filmée et retransmise. Et donc, vous pouvez la revoir, la partager aussi avec des personnes qui n'auraient pas pu nous rejoindre ce soir. Voilà, merci. Merci de cette introduction. Bonsoir, mesdames et messieurs. Bonsoir à ceux qui nous rejoignent en ligne. Bonsoir, Lou. Bonsoir. Alors, nous allons passer, j'ai démarré le chronomètre, 1h24 et 43 secondes, à découvrir ce monde très particulier, ce cœur de feu, la nébuleuse Wagner. Mais aussi, nous parlerons, parce que c'est un des points extrêmement intéressants de votre livre, de toute la stratégie d'expansion du pouvoir russe de Vladimir Poutine. Alors, pour ceux d'entre vous qui auraient peu de temps, vous pouvez acheter le livre et lire la page 5, et vous pourrez déjà en parler autour de vous. C'est la définition de Wagner, de Vitali Perfilev, qui est un ancien de la Légion étrangère en France et qui était représentant de Wagner en République centrafricaine. Et Vitali Perfilev écrit « Vous pouvez nous appeler Wagner, Mozart, Schubert, Chopin, Stravinsky. Cela ne change rien à la signification. Nous sommes toujours des instructeurs russes dont l'objectif est d'aider les pays dans le besoin. » Voilà. Fallait-il écrire un livre après cette déclaration ? Vous nous le direz, Lou. Alors, on va à peu près séparer en deux cette conférence pour vous laisser la parole d'ici une demi-heure pour quelques questions et puis encore à la fin. Voilà, c'est le principe aussi que vous puissiez interviewer Lou.
Alors nous allons commencer quand même avant le livre et avant Wagner par découvrir quels sont ceux qui l'ont écrit. Et donc pour une fois, les absents n'auront pas tort. On va commencer par Dimitri Zufferet, qui a été votre collègue dans le cadre de ce livre. Qui n'est pas très loin en fait, il aurait presque pu venir je pense. Il aurait pu venir. Il est en Suisse. Voilà, alors j'ai trouvé sur lui, mais vous pourrez compléter, que Dimitri Zufferet est un journaliste recherchiste. Alors si on ne sait pas qui travaille en Suisse, quand journaliste recherchiste, on sent quand même le vocabulaire de nos voisins. Donc à la télévision, à la radio-télévision suisse, la RTS, pour le magazine Le Temps Présent. Il est né en 82 à Genève et il a fait des études de lettres en histoire, en arabe et en civilisation du Moyen-Âge. Je me suis demandé si c'est la civilisation du Moyen-Âge qui l'avait poussé à s'intéresser à Wagner. On verra que non, parce que Wagner est beaucoup plus sophistiqué que ça. Est-ce que vous voulez compléter sur Dimitri ? Oui, alors Dimitri fait partie d'une association qui est très importante pour nous, qui s'appelle Open Facto, dans laquelle en fait on s'est rencontrés et dont les membres du collectif d'enquête dont je fais partie, qui s'appelle All Eyes on Wagner, en fait ont émergé, ont commencé à se parler via cette association. Donc encore une fois, une association engagée, en ligne avec l'esprit de Sophie des éditions du Faubourg. Voilà, c'est un peu toute cette petite galaxie qui travaille ensemble. Voilà, il y a Dimitri et puis il y a vous, donc Lou Osborne. Et alors là, mesdames et messieurs, ne cherchez pas frénétiquement sur vos portables qui est Lou, parce que bah, vous ne trouverez rien. Simplement que vous êtes une enquêtrice freelance pour l'ONG britannique CIR, donc je vais le dire en français, Centre pour l'information résiliente. Alors, il y a sûrement une raison au fait que vous gériez cette non-présence, en tout cas sur l'Internet. Voilà. Est-ce que vous pouvez, puisqu'on est entre nous ce soir à Chambéry, nous en dire un petit peu plus sur votre parcours ? Entre nous, mais en streaming quand même. Alors, avant de répondre, je vais complètement hijacker la présentation. Moi, c'est la première fois que je fais ça devant des gens comme vous, pas forcément spécialistes. Et je voudrais juste faire un mini-sondage avant de répondre. Ma première question, c'est qui connaît Wagner ? Qui connaissait Wagner avant de venir ? Ok, tout le monde. Pas mal. Qui connaît Losint ? Ah ! Ok, intéressant. Qui fait partie des services de renseignement russes dans la salle ? Ah, si vous pouvez sortir, s'il vous plaît. Camarade, enchanté. Alors, blague à part, moi, je suis pas journaliste, je suis ce qu'on appelle une analyste. Évidemment, le groupe Wagner, comme vous avez pu voir à la télé, ils envoient des massues et ils décapitent des gens, donc c'est quand même pas des rigolos. Et quand on a lancé ce collectif d'enquête All Eyes on Wagner, on a décidé au départ de rester un collectif anonyme et de faire passer devant la force du collectif, justement, et pas l'individualité des personnes. Et pour tout bêtement protéger ma famille, pas être embêtée, pas recevoir de Novichok, ce poison un peu spécial, pas tomber de ma fenêtre... voilà, pouvoir vivre ma vie, j'ai décidé d'être assez discrète en ligne. Aussi, parce que vous verrez que les techniques d'enquête qu'on utilise, bah, quand on commence à les utiliser, ça fait beaucoup réfléchir à soi-même et comment on se projette en ligne. Aujourd'hui, tout le monde a des comptes Facebook, tout le monde est sur son téléphone, et tout ça, ça laisse des traces. Donc le but est de limiter. Après, les gens qui grattent, ils vont trouver plein de choses, hein, parce que c'est pas infaillible. Mais voilà, le but est de pas tout mettre en ligne. D'accord. Donc, si j'ai bien compris les grandes lignes de votre parcours, vous ne venez pas du journalisme, vous avez travaillé plutôt pour des sociétés privées, vous connaissez bien un certain nombre de pays à l'étranger, et un jour, vous avez décidé de passer du côté des enquêteurs, des enquêtrices. Alors, moi, j'ai quand même un parcours qui est lié à la Russie, même si on n'en a pas forcément parlé. J'ai fait des études en Russie, j'ai habité en Asie centrale, je parle russe. Donc, quand Wagner a commencé à émerger, et bien avant qu'il devienne à la mode en 2022, j'avais déjà commencé à travailler dessus. Et donc, c'est dans ce cadre que les wagons se sont reconnectés ensemble. Oui.
Est-ce que vous pouvez nous dire deux mots sur le CIR, ce fameux Centre pour l'intelligence résiliente? Oui, alors c'est une ONG britannique et du coup on travaille principalement sur la documentation. Donc comme je vous disais, aujourd'hui tout le monde a un téléphone portable, que ce soit à Chambéry ou à Kaboul. Et donc du coup tout le monde filme. Et ça constitue une masse de données énorme aujourd'hui permet, de, en temps de guerre notamment, de recevoir des informations, de voir ce qui se passe, de voir des exactions qui sont commises. Donc une des premières missions du CIR, c'est de documenter les crimes qui sont commis sur des terrains de guerre ou dans des zones un peu difficiles. Et ça nourrit des procédures internationales. Donc ça, c'est le premier travail. Et la deuxième chose, c'est tout ce qui est autour de l'intégrité de l'information. Tout le monde connaît le mot fake news. Aujourd'hui, l'information, ça reste une arme de guerre et c'est de plus en plus utilisé dans le cadre de la manipulation des opinions pour atteindre ses objectifs, etc. Notre organisation essaie de détecter ce qu'on appelle les opérations d'influence. Voilà. Qu'est-ce qui vous a poussé finalement à passer à l'acte et avec Dimitri Zufferé écrire ce livre? Alors, ce livre, c'est un peu la mise en musique d'une grosse partie du travail qu'on avait commencé à faire chez All Eyes on Wagner. C'était assez frustrant parce que du coup, on publie des enquêtes chez All Eyes on Wagner, mais c'est souvent juste un petit aperçu de qu'est-ce que c'est le groupe Wagner. Et finalement, il n'y avait pas cette mise en musique totale de... que représente presque 10 ans de groupe Wagner. Et donc nous, on voulait vraiment se poser et se dire, ok, on en parle aujourd'hui, c'est sur TF1, il y a énormément de communications qui sont faites dessus dans les médias français, mais en fait, ça vient pas de net, ça fait 10 ans que ça existe. Et qu'est-ce qui s'est passé? Comment ça a grossi? Qui sont ces gens? Comment ils s'organisent? Qu'est-ce qu'ils font? Donc c'est vraiment de là qu'est né notre projet littéraire, que Dimitri a commencé à écrire dans le train tous les matins en allant au travail. D'accord. Ça fait deux fois que vous évoquez All Eyes on Wagner. Alors, pour ceux d'entre vous qui, comme moi, ont été souvent malades lors des cours d'anglais, c'est Tous les yeux sur Wagner. Tous les yeux sur Wagner. Est-ce que c'est important aussi dans l'histoire de ce livre? Vous pouvez nous en dire plus sur cette organisation qui est un peu particulière? Donc, c'est un collectif de bénévoles. C'est un collectif qui est engagé. À un moment donné, on voulait nous faire dire qu'on était activistes, mais moi, j'aime pas trop ce mot, mais engagé, c'est un bon mot, je crois. On va dire, ce collectif, il a deux buts. Le premier, c'était de vraiment faire connaître le groupe Wagner. On voulait que des gens comme vous viennent à des conférences comme ce soir et se rendent compte du montage qui a été fait autour de ce groupe et qu'est-ce qu'il représente pour les ambitions de la Russie. C'est un groupe qui est agressif, on va en parler, dans ses objectifs, dans la manière dont il agit. Et donc ça, on voulait vraiment le disséquer et le rendre abordable à tout le monde et pouvoir aussi dialoguer avec l'ensemble des pouvoirs publics sur le sujet. La deuxième chose, c'est on l'a appelé All Eyes on Wagner, donc tous les yeux sur Wagner, parce que ce groupe tente par ses méthodes et par les opérations d'influence qu'ils mettent en place, ils tentent quelque part de terroriser un petit peu les populations dans les pays où ils sont, mais aussi de nous terroriser, nous, pays français, en challengeant un petit peu qui on est, en attaquant pas mal les pays occidentaux. Et donc nous, on voulait leur dire, ok, vous faites ça, mais nous, collectif citoyen, enfin en tout cas personne lambda, on vous a à l'œil et l'armée secrète de Poutine, en fait, elle n'est pas si secrète que ça. Et on va vous le prouver. Donc c'était un peu ça, l'idée derrière le collectif. Un peu fou, quand j'y repense maintenant. Collectif qui est toujours à l'œuvre. Oui, qui est toujours à l'œuvre. On en parlera peut-être dans la conclusion. Alors, on s'approche petit à petit là, du sujet. Et avant de rentrer vraiment directement dans l'histoire, un dernier point, parce que je crois que c'est très important. Vous l'avez évoqué en tout début avec vos questions. Qu'est-ce que l'OSINT? Cette méthode de recherche qui est très très nouvelle.
Alors, nous, notre livre, il combine deux approches. Donc, une approche plus traditionnelle qui est de l'enquête, aller parler à des gens, essayer de dialoguer avec des membres du groupe Wagner, avec des personnes qui ont été autour pour récolter de l'information. Et il s'appuie sur une technique un peu nouvelle, qui n'est pas nouvelle en fait, puisque plein de gens le font depuis un certain temps, qui s'appelle la recherche en source ouverte. Et donc là, l'idée, c'est de combiner l'ensemble des informations qui sont directement disponibles et d'en tirer des leçons. Donc, je vais prendre des exemples très précis. Qui a un compte Facebook aujourd'hui ? Ok. Donc, sur votre compte Facebook, vous mettez votre nom, vous mettez sûrement les photos des événements importants pour vous, votre famille, là où vous habitez, peut-être même où vous travaillez, et vous avez vos amis, parce que l'idée de Facebook, c'est de se lier avec des amis. Tout ça, pour moi, c'est hyper utile, c'est très utile, ça constitue de l'information. Et ce qui va peut-être vous paraître un peu étonnant, c'est que les membres de l'armée secrète de Poutine, eh ben, ils ont eux aussi des comptes Facebook. Alors, ce n'est pas Facebook, ça s'appelle VK, mais c'est la même chose. Donc ça, le registre du commerce des sociétés, parce que même s'ils agissent dans l'ombre, eh ben, comme tout le monde, ils doivent créer une société, et ça laisse des traces administratives. Ça va être suivre des avions en ligne. Aujourd'hui, il y a des applications sur les téléphones qui permettent de suivre des avions, et ben, on peut aussi suivre des avions qui appartiennent à des oligarques russes, qui appartiennent à l'armée russe. Ça va être également, par exemple, Google Maps. Tout le monde utilise Google Maps. Google Maps, c'est fantastique pour aller regarder des bases militaires, parce qu'elles sont aussi sur Google Maps. Donc voilà, ce genre de petit outil que je grossis un petit peu permet, quand on combine tout, d'obtenir une information assez précise sur un événement ou sur une localité particulière. Et Pierre Aski, qui est le président de Reporters sans frontières, qui fait la préface de votre livre, en donne une définition qui est assez synthétique. Il dit, c'est profiter de tout ce que le monde numérisé offre, volontairement ou non, à qui c'est cherché. C'est ça, c'est complètement ça. Voilà, donc... on va rentrer maintenant plus précisément dans l'histoire de Wagner, et peut-être par le biais de la chronologie, pour que vous puissiez situer finalement quelles sont les quelques dates clés qu'on doit avoir en tête pour bien appréhender cette histoire, qui a un début et une fin. Et pour vous aider, je vous donne la première. En 2000, qu'est-ce qui se passe en 2000 ? Poutine accède au Kremlin. Oui. Après, c'est à vous. Alors, ce qui est assez intéressant, c'est que Poutine, dès son accession au Kremlin, il a des grandes ambitions pour la Russie. La Russie a été assez humiliée avec la fin de l'URSS, sa chute, la guerre froide, et a un peu perdu sa place dans le monde. Et donc, lui, il a pour ambition, tout au long de ses mandats successifs, de vraiment redorer la place de la Russie et d'en faire un acteur stratégique international de premier plan. Et donc, la genèse du groupe Wagner, en fait, elle prend sa source dans cette ambition-là. Et ils vont du coup mettre en place un certain nombre de doctrines politiques, de relations étrangères, de politiques étrangères qui vont permettre vraiment l'émergence du groupe Wagner et la direction que va prendre le groupe Wagner. Il va se projeter en Syrie, il va se projeter en Afrique. Tout ça, c'est pas par hasard. Ça répond en fait aux objectifs stratégiques de la politique de Vladimir Poutine. Donc on a, prenons 2000 comme date de départ, on a finalement, il faut attendre 2014 pour voir apparaître le groupe Wagner. Oui. On peut situer à peu près sa date, oui, de naissance officielle à 2014. Oui, donc c'est vraiment, le groupe Wagner commence à émerger au moment de la première guerre d'Ukraine, où en fait la Russie va tester une nouvelle manière de faire. C'est-à-dire qu'ils vont envoyer des petits groupes de personnes, les petits hommes verts, qu'ils ne vont pas affilier à l'armée russe. Et donc on va voir, je pense que vous pouvez encore retrouver ça en ligne, on va voir sur des vidéos l'arrivée de personnes en uniforme militaire, mais sans les insignes russes. Et donc, quid, qui sont ces gens ? Est-ce que c'est l'armée russe ? Est-ce que c'est pas l'armée russe ? Ils agissent en petits groupes. Et donc ça, en fait, ça fait écho à une nouvelle façon de faire la guerre que la Russie est en train de mettre en place. Des petits groupes très agiles
et une notion qui est très importante, qui s'appelle le déni de plausibilité. Je sais le dire en anglais, mais pas en français. Le déni plausible. Ouais, le déni plausible, qui est en fait de pouvoir envoyer des forces qui ne sont pas affiliées au gouvernement. Et de pouvoir dire, quand ça capote, « Ah mais non, ces gens-là, moi, je ne les connais pas. Yevgeny Prigojine, qui ? Connaît pas. » Donc tout ça, ça va vraiment, c'est vraiment le début du groupe Wagner à ce moment-là. Voilà, donc 2014, le début. 2015, ça va être la Syrie. On y reviendra tout à l'heure. 2018, l'Afrique. Il va entrer par la Libye. On y reviendra aussi. Et puis 2022... c'est l'invasion de... oui, 2022, donc le 24 février, invasion de l'Ukraine. Alors si, là je peux arrêter deux secondes. Ce qui est assez intéressant dans cette invasion en Ukraine, c'est qu'au départ, Yevgeny Prigojine n'a aucune envie d'y aller. Et donc, il n'y a pas de recrutement. Il y a très peu de recrutements qui sont faits par le groupe Wagner pour rentrer sur la guerre en Ukraine. Et le groupe Wagner est très populaire en Russie, et donc on peut lire en ligne des gens qui commencent à demander au bureau de recrutement, mais alors, quand est-ce que vous ouvrez les recrutements pour aller en Ukraine? On veut aller combattre, etc. Et il faudra attendre vraiment début mars, et qu'en fait, le gouvernement se rende compte que la guerre de 3 jours, bah, ça ne va pas durer 3 jours, pour que le groupe Wagner lance un recrutement massif et fasse jouer la popularité de l'organisation pour faire venir... vraiment de la chair à canon, parce qu'ils vont recruter des gens qui n'ont aucune compétence et aucune expérience militaire pour envoyer cette chair à canon en Ukraine. Donc ça, c'est assez intéressant. Ils ne voulaient pas y aller au départ. Voilà, et puis dans la chronologie, on va terminer par les deux dates les plus proches de nous. Ouais. C'est le 23 juin 2023 et le 23 août 2023. Et donc c'est la mutinerie de Prigojine. Donc Prigojine décide d'emmener sa troupe et de marcher sur Moscou. C'est la seule petite anecdote personnelle, je prends pas beaucoup de vacances, et c'était la seule soirée où j'avais pris un jour off, et mon portable vibrait incessamment dans ma poche, et je me refusais de le regarder parce que mon compagnon était un peu énervé que je regarde mon téléphone, et à un moment donné je dis écoute, faut que je regarde, et là on me dit mutinerie de Wagner, je me dis oh non, pas possible. Donc coup d'éclat, et évidemment la sentence, un mois plus tard, Prigojine explose en plein vol, l'avion dans lequel il est, explose juste au-dessus de la datcha de Poutine, tel un feu d'artifice spectaculaire pour satisfaire le chef. Voilà, donc on a nos dates clés finalement, c'est 2014-2023, c'est un groupe 9 ans. Qui aura duré 9 ans, et on a tout le scénario propre à faire une bonne série télévisée. Alors après la chronologie, peut-être allons-nous aborder les acteurs clés de cette histoire, de l'histoire de Wagner. Alors le premier bien sûr, c'est Yevgeny Prigojine. Yevgeny Prigojine, dont je cite votre livre, « La vie de Prigojine est un conte rabelaisien, voleur, tôlard, commerçant, courtier du tsar, traître. » Prigojine, dont la fortune vient des commandes de nourriture de l'armée, d'où son surnom, le cuisinier de Poutine, est en fait un oligarque pétersbourgeois qui est né en 1961. Comment vous avez appris à connaître, j'imagine, à travers votre enquête, Prigojine ? Alors, Prigojine, déjà, c'est une personnalité. C'est ça qui est très intéressant. C'est un personnage de film. D'ailleurs, il y aura peut-être des films sur lui plus tard. C'est quelqu'un qui est très émotionnel, qui est très impliqué dans le groupe Wagner, qui a des coups de sang, qui est aussi le symbole de cette Russie un peu mafieuse et surtout qui ne vient pas du tout du sérail. D'habitude, les gens qui accèdent à un certain niveau de pouvoir, ils viennent soit de cette fracture de la perestroïka qu'il y a eu dans les années 90, ils ont pris des business, ils ont fait grossir ces activités, ou alors ils viennent de ce qu'on appelle les siloviki, c'est-à-dire toute cette sphère un peu sécuritaire, les services de sécurité, le FSB, les ex-KGB, etc., qui sont montés au pouvoir. Lui, pas du tout. Lui, il a fait de la prison, il est tatoué, il a les marques des tatouages que les prisonniers obtiennent quand ils sont dans les cellules. Il commence sa carrière en faisant des camions de hot-dog parce qu'il a vu ça et aux États-Unis, un peu le rêve américain, il va faire la même chose.
Et puis comme ça, il se hisse, il obtient des casinos, il gère des restaurants de luxe. Et c'est à cette période-là où il commence à rencontrer l'élite de Saint-Pétersbourg. Et qui est un Saint-Pétersbourg à ce moment-là ? Vladimir Poutine, qui en est le maire, qui construit tous ses réseaux politiques dans cette ville-là. Donc Saint-Pétersbourg, c'est une ville très importante pour la Russie. Et après ces hôtels de luxe, hein, qui peut-être après la guerre, vous pourrez peut-être encore prendre des chambres, des nuitées à Saint-Pétersbourg, parce que ce sont des très beaux hôtels, il lance tout ce qui est voilà, business de nourriture pour les services publics. Donc il gère non seulement les militaires, d'ailleurs il leur vend pas mal de nourriture avariée, il y a souvent des procès qui lui sont faits pour avoir rendu malade toute une unité militaire, et il gère aussi tout ce qui est cantine des écoles. Donc ça c'est Prigojine. En parallèle de ça, il monte aussi pas mal de business d'immobilier, donc il gère pas mal de parcs immobiliers, il a du foncier, et il fait tout ce qui est gestion, ça c'est assez important pour la suite, tout ce qui est gestion de bâtiments un peu publics. Il va faire le gardiennage, les toilettes, notamment de bâtiments qui sont sur des bases militaires, des services de renseignement russes, le GRU, la GRU. Voilà, donc c'est quelqu'un finalement qui cumule à la fois le code d'honneur des voleurs, puisqu'il a fait de la prison, vous l'avez dit, il a fait 9 ans de prison avant 30 ans, et en même temps qui va s'ériger en défenseur des soldats. Il y a toute une ambiguïté. Et qui va avoir l'oreille de Poutine, parce qu'il est même considéré comme un de ses plus loyaux conseillers ou proches pendant toutes ces années, pendant 9 ans. Pour la petite anecdote, je ne sais pas si vous aviez vu ces photos circuler en ligne, Prigojine, pour vous montrer à quel point le personnage est complètement fantasque, se déguisait quand il partait à l'étranger pour représenter le groupe Wagner. Et donc quand il allait en Libye, il se déguisait en mercenaire libyen, il mettait des postiches de barbe, il mettait le costume du soldat libyen pour pas être reconnu. Donc c'est quelqu'un qui se déguise, c'est quelqu'un qui ment, c'est quelqu'un qui a faim sa propre mort il y a quelques années. Voilà, tout ça c'est Yevgeny Prigojine. Alors ce n'est pas un militaire de métier, mais il a à côté de lui quelqu'un qui est un peu plus sombre et un peu moins connu, c'est Dmitri Outkin, qui est son bras droit, qui d'ailleurs va terminer avec lui dans l'avion. Exactement, qui va être dans l'avion avec lui au moment de l'explosion. Et alors Dmitri Outkin est important parce qu'il a un nom de code, comme tous les soldats des forces spéciales, et son nom de code c'est Wagner. Donc c'est via lui que le nom et la légende du groupe ont vraiment émergé. Alors Dmitri Outkin, il est très intéressant parce que lui, il a une carrière vraiment militaire. Et un peu avant l'émergence du groupe Wagner, il a fait partie de ces premières itérations que la Russie a essayé de faire en lançant des espèces d'ersatz de groupes paramilitaires. Donc il était dans les premiers et il a été un peu rescapé de ces premiers-là. Donc il était en Ukraine pas mal. Et c'est lui qui vraiment a monté en gamme la partie opérationnelle militaire du groupe Wagner. C'est aussi un personnage très sombre. Puisque fervent nazi, il a des tatouages, des symboles nazis sur lui. Il représente ce côté très extrême droite de la Russie qui voue un culte à Hitler, etc. Même si dans la guerre en Ukraine, ils combattent les nazis. C'est ça qui est un peu paradoxal. Mais. Alors on a un personnage central dont on a déjà parlé, qui est Vladimir Poutine, qui finalement est un peu le Frankenstein de l'histoire, parce qu'il va créer cette créature que va être Prigojine, qui va finalement lui échapper et qu'il va décider de faire disparaître. Alors peut-être un mot sur cette notion de contrôle, parce que c'est souvent quelque chose qui est difficile à comprendre. Les gens pensent soit que le groupe Wagner, c'est une société privée, comme on a des sociétés du CAC 40, soit les gens pensent que c'est une manipulation totale et qu'en fait, Vladimir Poutine tire toutes les ficelles. La vérité, en fait, elle est un peu au milieu. Et ça représente vraiment comment fonctionne la Russie aujourd'hui. C'est-à-dire que la Russie, elle a une porosité très forte entre l'appareil d'État, l'appareil sécuritaire et, on va dire, l'élite économique.
Et la manière dont ça fonctionne, c'est que souvent, on retrouve un peu une espèce de trio où on va avoir l'appareil sécuritaire qui joue un rôle assez important, Vladimir Poutine qui lance les grandes directions stratégiques, j'ai envie de dire, c'est un peu une espèce de super PDG, entre guillemets, de la Russie. Et on va trouver au milieu des oligarques, comme Yevgeny Prigogine, qui vont se dire, OK, on va lui allouer une petite tâche, lancer quelque chose un peu comme le groupe Wagner, utiliser sa structure pour nourrir le groupe Wagner, mais on va lui donner aussi une grande part d'autonomie. Et c'est lui qui va quelque part interpréter la volonté de Vladimir Poutine avec plus ou moins d'erreurs, et ça explique peut-être en partie la mutinerie et comment ça se termine, et qui au passage va se dire « Ah bah moi ça m'intéresse bien quand même d'aller en Afrique parce qu'il y a des mines d'or, bah ça je vais le prendre pour moi ». Et puis, quelque part, ça rentre un peu dans les objectifs du grand patron. Donc, c'est à la fois sous contrôle et à la fois, on lui donne une grande autonomie. Le quatrième homme, parce qu'en fait, il y a beaucoup d'hommes dans ces histoires, le quatrième homme alors, qui aura influé sur cette histoire de Wagner, c'est sans doute le meilleur ennemi de Prigogine, c'est Sergueï Choïgou, qui est le ministre de la Défense russe. Et ces deux hommes se vouent petit à petit une haine incommensurable. Oui. Alors, ça illustre bien ce que je viens de dire, en fait. La haine entre ces deux personnages, elle est assez intéressante parce qu'elle déborde un peu du cadre politique. Alors, il y a déjà un événement qui est assez important pour le groupe Wagner, c'est quand ils sont en Syrie. Donc, en Syrie, la Russie est très présente, elle a des forces armées, elle est en soutien de Bachar al-Assad au moment de la grande lutte contre le terrorisme sur place. Et donc, ils ont des militaires, etc. Et puis, en parallèle, le groupe Wagner est aussi présent. Et le groupe Wagner a pour mission de mener des opérations de nettoyage, que je mets entre guillemets, de groupes terroristes dans des zones assez particulières, en utilisant un peu tous les moyens qu'ils veulent, sans qu'on regarde trop ce qu'ils font. Et puis, à un moment donné, les États-Unis décident de lancer une frappe ciblée sur une zone où il y a des terroristes, mais aussi le groupe Wagner. Et donc, comme il est d'usage dans ce monde-là, ils préviennent un peu tout le monde en disant « Attention, on va frapper à tel endroit. S'il y a des forces militaires russes, nous, on veut pas se bagarrer avec la Russie, donc il faut évacuer. » Et là, Shoigu et évidemment Vladimir Poutine disent « Non, il n'y a personne ». Et donc, ils bombardent et ils tuent un nombre énorme de combattants du groupe Wagner, plus d'une centaine. Et en fait, du coup, aveu réalité des faits, la Russie, à ce moment-là, ne défend pas les hommes du groupe Wagner. Elle les laisse se faire assassiner. Et donc, à ce moment-là, la haine entre ces deux personnages émerge de manière très forte. Mais elle se retrouve aussi sur le terrain commercial, puisque Shoigu est aussi à la tête de sociétés, ou en tout cas à des parts dans certaines sociétés, dont le but est de prendre les marchés de nourriture pour les soldats russes. Et donc, ils s'affrontent aussi d'un point de vue concurrentiel sur la prise de ces marchés publics. Et donc, ces deux choses font qu'ils vont continuer à se haïr jusqu'à la guerre en Ukraine, où là, il y a un désaccord fondamental sur comment on mène la guerre en Ukraine. Voilà, donc on a planté le décor, on a la chronologie, on a les quatre acteurs clés, il y en a bien d'autres, mais c'est sans doute les principaux. On peut donc aborder maintenant le groupe Wagner. Mais peut-être un dernier détour avant le groupe lui-même. J'aimerais que vous puissiez nous parler du mercenariat. J'ai découvert ce terme. Et j'ai découvert dans votre livre que les premiers mercenaires étaient peut-être les Cosaques. Donc, même si aujourd'hui on connaît Blackwater ou certains, peut-être Bob Denard, qui il y a une vingtaine d'années faisait parler de lui. Ce mercenariat qui est une activité inégale, sauf une exception. Vous, non ? Une exception, quelle est l'armée de mercenaires légale aujourd'hui dans le monde ? Eh bien, ce sont les gardes suisses du Vatican. Oui, c'est vrai. Alors, le mercenariat, on va quitter le Vatican. Vous pouvez nous en dire deux mots sur, finalement, ce qui est quelque chose de très répandu, puisque
il y a, vous le dites, à peu près 150 entreprises qui sont des entreprises de mercenaires dans le monde. Oui, alors là-dessus, je vais m'arrêter deux secondes sur les définitions parce que c'est assez important. Et aujourd'hui, c'est ce qui paralyse un peu les dossiers justement liés au traitement des exactions commises par le groupe Wagner. Donc aujourd'hui, le mot mercenariat, c'est très codifié d'un point de vue réglementaire. Il y a des textes internationaux qui essayent de définir, alors très mal, c'est assez vague, mais qui essayent de définir le mercenariat. Et certains États sont partis signataires de ces textes. Entre parenthèses, la France ne l'est pas, les États-Unis non plus. Donc ça définit vraiment, voilà, ça définit des forces étrangères qui sont engagées dans des pays, dans un pays B, on va dire, et qui mènent des actions de guerre dans ce pays B. Donc qui ne représentent pas leur État n'est pas engagé, mais ils mènent un certain nombre d'actions qui sont jugées comme des actions militaires. Aujourd'hui, il y a plusieurs points. Donc la première chose, c'est qu'il y a un certain nombre de sociétés de sécurité qui existent partout dans le monde. On en a en France. Hein, en France, on a des sociétés comme Geos, par exemple, qui est une société de sécurité. Mais ces sociétés-là ne font pas d'opérations militaires. Elles font ce qu'on appelle de la sécurité, du gardiennage, généralement à l'étranger, sur des sites sensibles ou auprès de délégations diplomatiques ou de grosses entreprises. Ce type d'organisation existe aussi en Russie, mais la particularité en Russie, c'est que c'est interdit. Et donc, certaines d'entre elles sont en fait russes, mais opèrent à l'étranger et n'opèrent pas en Russie. Et en Russie, celles qui opèrent, elles tombent dans une espèce d'appellation très limitée, du style les gardiens à l'entrée des supermarchés. Voilà, ça ne va pas plus loin. Donc, ce qui est assez intéressant, c'est que le groupe Wagner se présente en fait comme une organisation de sécurité privée, alors qu'en fait, c'est interdit en Russie et ça a été interdit jusqu'à l'été dernier. La législation a un peu changé. L'autre chose qu'on souhaite dire avec Dimitri, c'est que le groupe Wagner, c'est pas vraiment non plus une société de sécurité. Et c'est là où ça devient très compliqué quand il s'agit d'aller emmener ses dossiers à la Cour pénale internationale ou devant un juge ou devant une cour de justice. C'est que c'est en fait une opération d'influence quelque part. Et donc il y a une dimension qui est sécuritaire, on va revenir dessus, il y a une dimension qui est purement de l'influence, on essaye de changer les opinions, on essaye de rallier à une cause, et il y a une partie qui est de la prédation économique. Voilà. On a beaucoup dit que Wagner, c'était sécurité contre matière première, voilà, donc un peu le principe économique, mais Wagner fait beaucoup d'autres choses que de la sécurité, et notamment de la désinformation en ligne, avec ses fameuses fermes à trolls, à une agence de presse, à un studio de cinéma. C'est vraiment quelqu'un qui agit pour faire bouger les opinions au service de ceux qui le payent. Ouais. Alors, en fait, deux choses. La première chose, c'est que le groupe Wagner, le business model du groupe Wagner, c'est de vendre de la sécurité, de la protection du régime à un régime qui est un peu bancal. Donc aujourd'hui, par exemple, ils essayent de préserver le régime malien qui est en place. Leur réorganisation vient de rentrer au Burkina Faso. En Syrie, l'idée, c'était aussi de préserver le régime de Bachar al-Assad. Et donc ça vient, ou en Centrafrique, Touadéra. Ça vient avec deux composants. Il y a une composante sécuritaire. Il faut protéger physiquement, militairement, les pouvoirs en place, et donc aller faire des opérations militaires contre les opposants du régime. Donc c'est la partie visible, militaire, chaussures renforcées, etc. Mais il y a une deuxième composante qui est rendre acceptable ces gouvernements auprès des opinions locales. Et donc ça, c'est la partie influence. Et c'est pour ça que les deux, en fait, sont corrélés. La troisième dimension, qui est la dimension économique, c'est que vous vous rendez bien compte que c'est assez difficile d'obtenir des virements bancaires tous les mois, salaires venant du régime syrien, donc, ou du régime Centrafrique. Donc la manière qu'ils ont de se faire rémunérer, c'est d'en fait obtenir des concessions minières, pétrolières, gazières, etc., pour rémunérer leurs services, puisque c'est plus sûr.
Alors finalement, dans Wagner, moi ce que j'ai compris dans votre livre, c'est qu'il y a une couche économique un peu particulière, mais il y a aussi ensuite une couche idéologique qui s'est rajoutée pour que finalement l'action de Wagner puisse être légitimée par autre chose que simplement aller gagner de l'argent, c'est aussi défendre les valeurs de la Russie. Oui. Donc deux choses là-dessus. La première, c'est que quand le groupe Wagner rentre dans un pays, il va devoir se faire accepter et il doit légitimer le régime qui vient de prendre la tête du pays ou qui est déjà en place. Donc ce qu'ils vont faire, c'est avant de venir, ils font souvent des études d'opinion. Ils font des sondages. Ils envoient des gens qui sont spécialisés, des consultants qui sont spécialisés en communication, en sondage d'opinion, etc. Et ils essayent de comprendre quelles sont les fractures sociales qui existent, quelles sont les failles sociétales, les failles culturelles, et ils vont essayer d'exploiter ça. Et donc en Afrique, on parle souvent, vous avez dû sûrement entendre dans la presse tout ce qui est le sentiment anti-français, ils s'attaquent à la France, etc. La réalité, c'est qu'il y a un vrai contentieux historique sur la décolonisation, comment elle se passe, etc. Et donc ça constitue des failles culturelles sur lesquelles le groupe Wagner s'appuie. Elle réactive aussi des vieux schémas qui sont les schémas qu'ils utilisaient pendant la guerre froide, le mouvement des non-alignés, le fait que la Russie, l'URSS à l'époque, essayait de se positionner comme partenaire neutre. Et donc ils essayent de capitaliser là-dessus pour surfer sur ces failles. La même chose se passe en France, hein. Aujourd'hui, la Russie attaque de manière informationnelle la France. Elle fait exactement le même travail. Et ce qui est intéressant, c'est que le groupe Wagner a été employé par le régime russe pour la légitimation de la guerre en Ukraine en Russie. Donc c'est le premier, c'est la première société d'influence pour essayer de légitimer la guerre en Ukraine auprès des populations russes. Et ils font le même travail, la même façon. Merci déjà pour toutes ces précisions. On peut s'arrêter 4-5 minutes s'il y a déjà sur ce que Lou Osborne a évoqué des questions. On peut prendre une ou deux questions s'il y en a. Alors voilà. Une, et puis on vous passera le micro. Voilà, ça sera les deux questions et on continuera après. Vous avez dit que Prigogine était opposé à la guerre en Ukraine, du moins n'était pas favorable. Est-ce qu'on peut savoir pourquoi ? Alors, il n'était pas favorable de s'investir en tant que groupe Wagner en Ukraine, tout simplement parce qu'il n'y a pas grand-chose à y gagner. À la fin, ce qu'il a envie, c'est de se récupérer deux, trois trucs qu'il se met dans sa poche. Et en Ukraine, avec la guerre telle qu'elle a été lancée, il n'y avait pas grand-chose à ramasser. Donc c'est pour ça qu'il était initialement opposé à l'idée d'envoyer du monde. Et après, il y a eu des contentieux réels et qui sont toujours en vigueur au sein de l'armée. Il y a des fractures aujourd'hui sur le fait que la Russie n'a pas réussi à faire cette guerre de trois jours, qu'ils sont quand même embourbés dans une guerre qui dure, qui est longue, avec beaucoup de pertes. Et donc ça a créé des fractures au sein des différentes unités qui sont impliquées. Et monsieur qui était... Oui, vous dites que le groupe Wagner s'arrête aujourd'hui. Est-ce une réalité ou que devient-il dans ce cas-là? Quelle nouvelle forme prend-il? Alors, évidemment, il y a un point de rupture parce que le chef emblématique, Prigogine, est mort. Et donc, le groupe Wagner tel qu'on le connaissait, il va se transformer pour une raison très concrète. C'est que, par exemple, les feuilles de paye des soldats de Wagner sont payées en utilisant une des sociétés de Prigogine. Et en fait, toutes les opérations du groupe Wagner reposent sur la grosse holding qu'a Prigogine pour ses histoires de cantine et de nourriture pour les soldats. Donc déjà, rien que ça va changer. Maintenant, le concept Wagner, et c'est un peu ce qu'on évoque dans le livre, on parle d'une marque qui est prête à être franchisée. Vraiment, le concept, lui, ne va pas s'arrêter parce que c'est bien trop
C'est finalement les seuls succès aujourd'hui de Vladimir Poutine à l'étranger. Sa guerre, c'est un échec total. Par contre, il a des beaux succès de politique étrangère en Afrique, en Syrie, etc. Et c'est en partie grâce à ce concept. Donc aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est que le groupe Wagner est en train d'être réorganisé. Il est a priori repris plutôt par les services de sécurité de l'appareil russe. Pas très clair qui exactement, mais c'est entre le GRU et la garde nationale et le SVR qui est un peu dedans. Et il y a d'autres groupes qui émergent, mais qui sont très fortement liés aux services de renseignement russes. Vous avez peut-être entendu parler de Redoute, vous avez peut-être entendu parler de Convoy, et où les anciens de Wagner, en fait, sont en train d'aller. Donc, ils essaiment les savoir-faire, et c'est vraiment les services de sécurité qui reprennent une main beaucoup plus courte près du collier sur ce type d'organisation. Mais ça va continuer, évidemment, parce que ça fonctionne trop bien. Voilà, on va reprendre le fil et puis vous aurez la parole pour d'autres questions un peu plus tard. On va s'intéresser un peu maintenant à ce qui a permis finalement la mise en œuvre de ce qui est devenu Wagner, c'est l'évolution de la théorie militaire russe. Si vous voulez bien... J'en ai parlé un petit peu sur l'histoire de l'Ukraine, qu'ils ont un peu changé leur façon de faire. Donc il faut un peu se remettre dans les chaussures de la Russie. La Russie, dans les années 2000, elle sort de deux guerres qui sont traumatiques d'un point de vue militaire et d'un point de vue sociétal. C'est notamment la guerre en Tchétchénie et puis la guerre avec la Géorgie. Et c'est traumatique à deux niveaux. Le premier niveau, c'est qu'il y a beaucoup de morts et il y a surtout beaucoup de ce qu'on appelle les vétérans. Donc c'est ces militaires qui après ne peuvent plus être militaires, ils sont blessés, etc. Et ça constitue un fardeau sur la société russe qui est monumental. Ces gens, ils ne savent pas les gérer, ils deviennent alcooliques, on ne sait pas les réinsérer dans la société. Et évidemment, c'est des soldats, donc l'appareil militaire est obligé de les gérer, de leur verser une pension, d'aller voir les familles pour dire qu'ils sont morts. Donc ce n'est pas terrible. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'on commence à avoir la guerre en Irak et que du coup, la Russie... Elle aime regarder les États-Unis. La rivalité, elle est toujours là. Et ils se rendent compte qu'en Irak, les États-Unis, ils envoient des troupes, mais ils font aussi appel à une société un peu particulière qui s'appelle Blackwater. Et donc là, ils se disent, c'est fantastique. Ils ont des troupes. Alors évidemment, il y a énormément de morts aux États-Unis. On sait le poids politique que ça représente, ces morts en Irak. Mais on ne parle jamais des gens qui sont tués chez Blackwater. Et donc là, il y a quelque chose qui commence à germer dans la psyché, dans la doctrine militaire russe. Il y a autre chose qui se passe en parallèle, et il y a pas mal de chercheurs académiques dans le domaine militaire russe qui réfléchissent sur l'information et à quel point l'information joue un rôle clé dans est-ce qu'on va gagner les conflits et comment on les gagne. Et ce qui est assez intéressant, c'est qu'il y en a un dont le nom m'échappe immédiatement, qui écrit tout un document très académique et qui dit dans les années 2000, ceux qui contrôlent l'information, c'est les États-Unis. Et nous, on n'est pas au niveau et il faut absolument qu'on se remette à niveau. Et donc ces textes-là, ces chercheurs, ces centres de recherche, etc., nourrissent les hauts cadres militaires russes. Et ils décident de deux choses. Ils se disent, pour gagner la guerre, il faut qu'on soit capable de mettre en œuvre des unités qui sont plus petites, très tactiques, des petits groupes qu'on va envoyer hop comme ça et qu'on ne va pas forcément déclarer. Et il faut qu'on soit en capacité de contrôle total de la sphère informationnelle. Et ces deux choses-là vont faire germer l'idée du groupe Wagner. Ils vont aussi aller rencontrer, ça c'est intéressant, les sociétés privées militaires d'Afrique du Sud, qui sont très bourgeonnantes, qui fonctionnent très bien vraiment dans le sud de l'Afrique. Et ils vont en faire venir à Moscou et ils vont leur dire, expliquez-nous comment ça fonctionne, etc. Et l'ensemble de ces éléments vont faire naître le groupe Wagner. Voilà, vous écrivez que finalement, la Russie a créé ce qu'elle a appelé la guerre hybride, c'est-à-dire la guerre conventionnelle qu'on connaît, la petite guerre, qui est peut-être celle de Wagner, et la cyberguerre. Et c'est finalement ces trois types de guerres qu'elle mêle
pour réussir à atteindre ses objectifs. Alors, dans la guerre hybride, il y a un concept qui est assez important, c'est ce qu'on appelle l'intensité. Et donc, par exemple, aujourd'hui, la Russie est engagée en Ukraine dans un conflit qu'on appelle un conflit de haute intensité, où là, on engage les forces, on est frontal, c'est complètement déclaré. La guerre hybride, justement, elle est dans cette ligne grise, c'est-à-dire qu'il n'y a jamais vraiment la guerre, mais en même temps, il y a des actes de guerre qui sont faits. Et donc, dans cette guerre hybride, on inclut tout ce qui est, par exemple, attaque cyber, les hacks qui sont faits par les gouvernements. Ça, ce n'est pas de la guerre à haute intensité, mais ce sont des actes de guerre. Et toutes ces actions de plausible deniability, donc de déni plausible, où on fait des actes qui sont des actes guerriers, mais où derrière le gouvernement dit « Ah non, c'est pas moi, rien ne peut rattacher cette action à moi-même ». Ça, c'est vraiment la guerre hybride. Vous donnez une bonne définition, enfin, c'est facile à comprendre, du déni plausible. Vous dites c'est « Personne n'est dupe, mais les apparences sont sauves ». Exactement. Tout le monde sait que c'est la Russie. Mais ils ne le disent jamais. Et ce qui est assez intéressant, c'est que jusqu'à la guerre en Ukraine, donc Vladimir Poutine, tous les ans, il fait un espèce de raout un peu intéressant où il est sur un plateau de télé et pendant 3 heures, des gens peuvent lui poser des questions et il répond à n'importe quelle question. Et jusqu'en 2022, on lui demandait « Est-ce que vous connaissez Yevgeny Prigojine ? Est-ce que le groupe Wagner existe ?» Et à chaque fois, il disait « Non, il n'y a pas de groupe Wagner ». Je ne connais pas ce monsieur, je ne sais pas de quoi vous parlez. Voilà, et pendant ce temps, monsieur Poutine... Si je peux même rajouter un point qui vous montre à quel point ça va, c'est-à-dire que tout le monde sait que c'est lui. Hein. Yevgeny Prigojine, jusqu'en juin 2022, je crois aussi, 2022, niait le fait d'être le fondateur et leader du groupe Wagner, au point où... si un média écrivait qu'il en était le fondateur, il se faisait attaquer pour diffamation. Et au point où il y a eu des sanctions qui ont été mises sur lui de mémoire en 2017-2018 par l'Union européenne, donc vraiment le marquant comme fondateur du groupe Wagner, responsable légal, etc. Donc il va être sous sanctions économiques. Il a pris des avocats. Et il est allé au Conseil de l'Europe et il les a légalement défiés de dire « Prouvez-le, moi je ne suis pas d'accord, donc je réfute cette décision légale. » Voilà, c'est pour vous montrer vraiment jusqu'où ça va, quoi. Alors, revenons peut-être à Wagner à travers 3 champs de bataille emblématiques qui ont finalement été aussi la progression du groupe. On va citer que 3 pays. Le premier, c'est la Syrie, puisque c'est là-bas, finalement, que tout commence pour Wagner sur le plan militaire. Oui, alors ce qui est intéressant, c'est que le groupe Wagner, ce n'est pas une entité qui est fixée dans ses missions ou sa façon de faire dans le temps. Et c'est une entité vraiment qui bouge, qui se transforme, qui évolue, qui apprend de ses erreurs. Donc la Syrie, c'est vraiment son premier gros théâtre, on va dire. Et à cette époque-là, il développe 2 aspects qui sont assez intéressants. L'aspect combat. Donc ils vont aller former des groupes d'attaque syriens pour aller ensuite attaquer des groupes terroristes et essayer de lutter contre un certain nombre de groupes dans la région de Palmyre. Et en parallèle, ils vont négocier, donc on va avoir des sociétés comme des vraies sociétés, qui vont commencer à négocier des contrats pétroliers et qui vont obtenir un certain nombre de concessions pour se faire rémunérer sur ses actions en fait, de sécurité. Donc ça, c'est vraiment, on va dire, la première mue, quelque part, du groupe Wagner au sortir de l'Ukraine. Ensuite, après la Syrie, on a l'Afrique. Alors, l'Afrique, on peut peut-être en parler de manière globale. Oui. Ils n'ont pas agi de façon uniforme suivant les pays où ils sont allés. On peut parler peut-être de la Centrafrique, qui est l'endroit où ils ont vraiment développé... leur façon de faire de façon totale. Donc, en Centrafrique, ils y rentrent en 2017. Et ce qui est assez intéressant, c'est qu'ils y rentrent parce que la France ne veut pas livrer d'armes et ne veut pas aider le gouvernement de Touadéra pour se défendre vis-à-vis des groupes rebelles qui sont en Centrafrique. Et donc, la Russie en profite, met le pied dans la porte, propose ses services. Et donc, ils rentrent... avec pour mission de former en fait
les militaires, la garde présidentielle de Touadéra, évidemment de faire en sorte que Touadéra continue à être au pouvoir. Et donc, en Centrafrique, ils vont complètement noyauter le système. Ils vont s'infiltrer dans tous les ministères. Il y a même des endroits où ils ont des bureaux au sein des ministères. Ils sont assis avec les Centrafricains. Ils vont développer sur place un savoir-faire et des actions d'influence énormes. Ils vont créer une radio de toutes pièces. Ils vont payer des groupes pour faire des manifestations anti-France, anti-forces internationales qui sont déployées sur place. Ils vont commencer à faire venir des influenceurs qui vont galvaniser un peu les foules. Et en parallèle, ils vont faire main basse complètement sur l'ensemble des actifs économiques de la Centrafrique. Donc ils vont commencer à développer des mines de diamants qu'ils vont vendre. Enfin, ils vont vendre les diamants. Ils vont développer ces mines dans des endroits où c'est ce qu'on appelle les diamants de sang, c'est-à-dire des zones qui sont très propices au conflit et donc qui sont obtenues de manière très douteuse. Ils vont développer l'or, ils vont même se lancer dans la production de bière pour essayer de déloger un compétiteur français qui s'appelle Castel. Ils vont développer le bois, ils vont se mettre à vendre du bois précieux partout à l'international. Ils vont même vendre avec les produits obtenus de la bière, ils vont même vendre de l'eau pétillante. Voilà, donc c'est une multinationale totale en Centrafrique. Et après l'Afrique, il y a l'Ukraine, vous en avez déjà parlé. Combien de quel engagement en termes d'hommes, par exemple, on peut imaginer qu'il y a eu? Alors j'ai peur de dire des bêtises sur les chiffres. Sur l'Ukraine, un point qui est assez important, c'est qu'ils ne vont pas du tout avoir la même approche ni le même modèle. Ils sont vraiment engagés comme force combattante. Et pour les besoins de recrutement des soldats ou des participants à la guerre, ils vont avoir une communication très ouverte. Et c'est à cette occasion que Prigojine va d'ailleurs déclarer « Oui, c'est moi le fondateur du groupe Wagner », parce qu'en fait, il va s'en servir pour recruter encore plus d'hommes pour aller à la guerre. Ils vont être autour de mémoire de 40 000. J'avoue que j'ai un trou de ce qu'on a écrit. Le point qui est assez intéressant, c'est qu'ils vont faire quelque chose qui n'a jamais été fait ailleurs et qui est assez scandaleux quand on y pense, qui est assez révoltant, c'est qu'ils vont même aller dans les prisons pour recruter de la chair à canon en leur offrant leur liberté. Donc s'ils combattent 6 mois, parfois ils vont faire 2 contrats de 6 mois, alors ils achètent leur liberté. Et ils vont les envoyer dans des conditions déplorables. Ils vont dormir dehors, ils vont être envoyés vraiment sur la ligne de front, ils vont être armés à minima, certains ne savent même pas se défendre, pour servir vraiment de chair à canon. Voilà, donc trois progressions, et tout se finit en tout cas sous l'appellation Wagner en Ukraine. En face, on a une société civile mondiale qui essaye de réagir. On a parlé donc de All Eyes on Wagner, on a parlé de l'OSINT. Quels sont les autres groupes qui se sont formés pour essayer à la fois d'en savoir plus et de dénoncer ce que faisait Wagner, et notamment, qu'est-ce qui se passe en Russie? Alors, ce qui est assez intéressant, c'est que le groupe Wagner, c'est finalement probablement le groupe d'action violente, si je peux le qualifier ainsi, le plus documenté au monde. Donc ça, c'est assez intéressant. Et pourquoi? Parce que très rapidement, au tout début de la création du groupe Wagner, on a la société civile russe via des journaux d'investigation qui commencent à travailler sur le groupe Wagner. Et ce soir, j'en profite pour leur rendre hommage parce qu'ils ne sont pas très connus. Aujourd'hui, alors c'est des journaux comme Novaya Gazeta, comme Fontanka, comme Medusa. Il y en a un certain nombre. Aujourd'hui, ces journaux continuent à travailler. Nous, on fait souvent des partenariats avec eux en étant hors de Russie pour leur propre protection, mais ils continuent d'avoir des sources très actives sur place. Donc, c'est eux qui vraiment ont amorcé la pompe à investigation sur le groupe Wagner. On a une autre organisation qui est assez intéressante qui s'appelle le Dossier Center, qui est emmené par un oligarque un peu controversé, mais qui est quand même très utile, qui, depuis une dizaine d'années, collecte, pareil, énormément de documents sur le groupe Wagner, parce qu'à l'époque, 3 de ces journalistes vont en Centrafrique
pour faire un reportage sur l'arrivée de Wagner en Centrafrique. Et en fait, ils vont se faire assassiner par le groupe Wagner. Et donc, cet oligarque, via le dossier Center, s'est mis comme mission d'essayer de prouver que c'est sur ordre de Vladimir Poutine que ces journalistes ont été assassinés. Et donc, ils ont amassé énormément d'informations et pareil, on collabore avec eux. Il y a un autre groupe qui est assez important, qui sont les défenseurs des droits de l'homme, qui aujourd'hui essayent, via ce qui se passe en Ukraine, de monter un espèce de dossier qui pourrait être présenté devant une cour de justice sur le groupe Wagner. Et donc ça va être des organisations comme par exemple la FIDH qui est en France. Alors, c'est pas forcément eux, mais c'est juste pour vous donner une idée de qui sont ces gens. Et donc le but, c'est maintenant d'essayer de rendre le groupe Wagner responsable de ces actions et donc de les mettre devant une cour internationale pour les juger. Mais c'est très très dur pour toutes les raisons que je vous ai expliquées. C'est qu'on ne sait pas trop dire ce qu'est ce groupe-là. Et puis les instances internationales n'ont jamais eu vraiment en face d'elles un groupe non terroriste qui commet des exactions dans plusieurs pays. En fait, nos cours ne savent pas gérer ça. Et donc c'est pour ça qu'il y a un effort qui est fait, alors notamment en France, mais au sein de l'Union européenne, aux États-Unis, pour donner une appellation, pour mettre le groupe Wagner dans une espèce de case qui permettrait à ces juridictions de dire « Ah ok, groupe terroriste, je regarde mon manuel, ok, je peux faire ça, 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 donc maintenant je peux y aller. » Mais c'est très compliqué. Et donc ces organisations de la société civile, eh ben, elles vont sur place, elles interviewent des gens, elles essayent de faire des entretiens pour récolter des témoignages et constituer des dossiers qu'ils vont amener sur des procédures. Alors, on arrive petit à petit au bout de l'histoire de Wagner, en tout cas sous cette forme-là. En juin donc, 2023, c'est cette mutinerie. Est-ce que, même si ce n'était pas le cœur de votre livre, vous avez, j'imagine, vous, une opinion sur pourquoi Prigojine, avec donc un nombre, une troupe en nombre insuffisante pour faire quoi que ce soit, s'est lancé dans une pareille aventure, se rebeller de manière officielle? Alors, troupes peut-être assez insuffisantes qui bénéficiaient néanmoins d'une capacité de satellite sur laquelle on a travaillé il n'y a pas longtemps et qui du coup envoyait des images satellites de leur progression. Donc ils pouvaient être en petit nombre, mais ils savaient très bien ce qui se passait parce qu'ils recevaient en temps réel un certain nombre d'images satellites pour vraiment préparer leur mission. Alors, grande question, évidemment, nous on n'est pas dans la tête de Prigojine, donc ça va être compliqué de donner une réponse satisfaisante. C'est sûrement plusieurs facteurs. Le premier, c'était que le 1er juillet 2023, il y avait une nouvelle loi qui était passée en Russie et qui donnait au ministère de la Défense, donc notre ami Shoigu, l'obligation de recenser et d'avoir sous ses ordres l'ensemble des organisations paramilitaires. Et comme on sait que Prigojine ne peut pas avoir Shoigu en pâture, c'était absolument pas possible pour lui de finalement lâcher son organisation et de ne plus avoir la main dessus. Donc on pense que ça, c'est un des facteurs. Le deuxième facteur qu'on imagine, c'est évidemment toutes ces distensions qu'il y a eu sur la gestion de la guerre en Ukraine. C'est aussi le fait que Prigojine, quelque part, il avait des cartes en main très fortes. Encore une fois, si on regarde les succès de politique étrangère de Vladimir Poutine récemment, les seuls, finalement, ils sont via le groupe Wagner. Et donc, ça le mettait dans une position de force assez forte. Et comme c'est quelqu'un qui a une grosse personnalité, qui a sûrement un côté narcissique assez prononcé, ça lui a peut-être monté au cerveau. Sur sa fin, maintenant, on peut la qualifier d'exécution, je pense qu'il n'y a pas de doute, oui. Oui, ça, je pense. Il s'est même offert un feu d'artifice en 3D, grandeur nature, avec son et lumière, etc., au-dessus de sa datcha. Il y a souvent eu la diffusion de ces images d'un interview de Poutine où on lui demande « Est-ce que vous pardonnez tout ?» et il dit « Tout, sauf la trahison ».
Et clairement, bah voilà, un mois après, le 23, quasiment jour pour jour, bam, Prigogine explose en plein vol. Donc ça, c'est assez intéressant. Nous, quand on avait vu la mutinerie, on savait que ces jours étaient comptés. On était d'ailleurs assez surpris que ça n'arrive pas plus vite et qu'on lui donne toutes les latitudes qu'on lui a données. C'est-à-dire qu'après la mutinerie, Prigogine n'a pas été enfermé, il a gardé ses biens, il a pu voyager à droite à gauche, il a pu aller en Afrique, il a pu continuer ses affaires. Il était mis un peu de côté. Donc, par exemple, on lui avait interdit au sommet Russie-Afrique, qui est un sommet assez important, on lui avait interdit d'être aux tables de négociation avec les leaders africains. Mais néanmoins, c'est lui qui les avait reçus dans ses hôtels. Donc, il s'était pris en photo avec quelques personnalités assez importantes. Donc ça, c'était un peu étonnant. Mais le fait qu'il finisse mal, non, c'était un peu déjà écrit, en fait. C'est une tragédie, l'histoire. Plutôt que, oui, une comédie qui finit bien. Alors, après la chute, le phénix va peut-être renaître de ses cendres. Vous avez déjà répondu à la question de monsieur tout à l'heure, mais est-ce que dans votre équipe, si je peux l'appeler comme ça, enfin, toutes les gens qui ont travaillé sur Wagner, est-ce que vous avez continué à garder tous les capteurs ouverts pour voir comment les choses allaient se recomposer, avec les mêmes moyens, toujours en OSINT? Alors nous, du coup, on a décidé de continuer. Donc notre collectif, on a décidé de ne pas de changer de nom parce que All Eyes on je sais pas quoi, c'est pas très vendeur, donc on reste All Eyes on Wagner. Mais on a décidé de s'intéresser à la suite et quel est l'héritage finalement de Prigogine et comment ça se réorganise. Alors on regarde deux aspects parce que ça joue sur les deux côtés. Le premier, de façon très prosaïque, on regarde la succession administrative de cette grosse holding qui constitue ces sociétés, parce que quand quelqu'un meurt, bah, y a forcément une succession qui se met en place. Donc on regarde toutes ces sociétés, on essaye de voir bah, est-ce qu'ils sont en train de changer les directeurs, est-ce qu'il y a des parts qui sont vendues, qui reprend, à qui c'est transféré. Et donc on sait par exemple que le groupe Patriot Media, qui était sa société en charge de tout ces journaux et ces médias, ça c'est en train d'être cédé. Voilà, on a commencé à voir des choses. Et puis on regarde un deuxième aspect qui est comment cette grande opération qui est l'opération Wagner se réorganise. Et donc on voit des choses. Par exemple, depuis fin août, on a le ministère de la Défense russe qui a fait un très grand déplacement partout en Afrique, enfin partout dans les pays où le groupe Wagner est présent. Donc ils sont allés en Libye, ils sont allés en Centrafrique, ils sont allés au Mali, ils sont allés aussi au Burkina Faso. Et ce qui est assez intéressant, c'est donc tout ça est filmé, il y a des vidéos, on peut voir les photos officielles qui sont prises. Et ce qui est assez intéressant, c'est pas de regarder le vice-ministre de la Défense, parce que lui, quelque part, c'est attendu, c'est un personnage public, on s'en fiche. C'est de regarder les autres qui sont à côté de lui. Et à côté de lui, on avait deux personnages. Le premier, c'est un personnage qui s'appelle Andrei Averianov. C'est un général. Et c'est en fait le chef de l'unité des opérations clandestines de la direction du renseignement militaire russe. Et lui, il est de ce voyage-là. Ce n'est pas anodin. Généralement, on n'emmène pas le directeur des opérations clandestines comme ça pour le sortir. Il y a un deuxième personnage qui est assez intéressant, qui est moins connu, et qui est en fait un des nouveaux leaders de cette nouvelle organisation dont j'ai parlé, qui s'appelle Redoute, qui est en fait un deuxième Wagner, hop, comme un petit champignon, ça a repoussé, et qui est lui aussi très proche des services de renseignement. Et donc ces gens-là, c'est assez intéressant de les voir en photo, de les voir évoluer dans ces pays-là, parce que ça nous donne des indications sur la manière dont le groupe Wagner est repris. On regarde aussi les opérations d'influence et on remarque qu'elles continuent. On remarque qu'ils utilisent exactement les mêmes outils, les mêmes vecteurs, les mêmes influenceurs. Et donc tout ça nous donne comme indication que ben, c'est bien trop synonyme de succès et de réussite pour la Russie et qu'ils ne vont clairement pas laisser tomber. Alors ce sera peut-être ma dernière question avant qu'on repasse la parole à l'auditoire. Qu'est-ce qu'on peut faire de plus ou qu'est-ce qui serait souhaitable de faire de plus pour, en tout cas du point de vue occidental, réussir à contenir
cette guerre hybride que mènent des sociétés comme Wagner ou maintenant d'autres qui vont les poursuivre. Alors, je pense qu'une réunion comme ce soir, ça participe justement à la lutte contre les attaques informationnelles, parce que c'est un espace où on peut discuter librement et échanger sur voilà, les sujets sociétaux. Enfin, vous m'invitez ce soir, mais je sais que vous discutez d'autres sujets. Donc, être capable, comme société, de discuter, s'éduquer aux médias, être résilient, continuer à promouvoir les valeurs démocratiques de nos pays, ça fait partie de ce que nous, on peut faire en tant que personne lambda, etc. Après, évidemment, la lutte contre le groupe Wagner, c'est aussi une lutte qui est étatique, hein, quelque part. Y a un certain nombre de mesures qui sont prises, donc tout ce qui est sanctions économiques, ça fonctionne, ça retarde, ça embête, ça entrave, ça leur fait perdre du temps. Donc ça, c'est efficace, malgré ce que parfois on peut lire dans les journaux. Il y a un certain nombre de sanctions qui ont été prises contre le groupe Wagner par plusieurs pays, et ces sanctions-là, vraiment, pardonnez-moi, les emmerdent. Ce qui est assez intéressant, c'est que la décision de prendre des sanctions, ce n'est pas une décision qui est partagée par l'ensemble des pays. Donc, les États-Unis, généralement, prennent énormément de sanctions. L'Union européenne est parfois un peu à la traîne. L'Angleterre s'est réveillée l'année dernière et a rattrapé un peu le wagon. Donc, les pays, en fait, ne sanctionnent pas les mêmes organisations au même moment. Mais c'est important. C'est important aussi de pouvoir en discuter dans les milieux d'affaires. Dans l'une des dernières investigations qu'on a faites sur Bois Rouge, donc Bois Rouge, c'est la vente de bois, on s'est rendu compte qu'ils avaient vendu, qu'ils avaient acheté pardon, des équipements à une société française. Et donc, du coup, on a appelé la société française avant de diffuser l'enquête, en leur disant, on a fait ce qu'on appelle une déclaration, en leur disant, voilà, on a vu ça, etc. Ils nous ont pris très au sérieux, et ils ont pris plein de mesures, et ils nous ont dit, en fait, on ne sait pas, nous, on ne connaît pas le groupe Wagner, ce n'est pas quelque chose qui est discuté dans nos milieux. Donc ça, c'est assez important, en fait, de pouvoir en parler, surtout si vous travaillez à l'export, si vous travaillez dans ces pays-là, Centrafrique, Mali, Cameroun, Burkina Faso, vous pouvez les croiser. C'est évidemment de continuer à parler d'eux et de ne pas croire que parce que Yevgeny est mort, que ça va s'arrêter. Bien, vous avez à nouveau la parole. Est-ce que sur cette deuxième partie ou sur d'autres éléments développés ou pas développés par Lou, vous voudriez intervenir ? Est-ce qu'on peut avoir une estimation du nombre de gens qui gravitent dans l'orbite Wagner ? Ouais. Je fais le calcul dans ma tête. Donc, il y avait environ 40 000 personnes qui étaient employées sur la zone Ukraine. En Afrique, on a autour de 1 500 maintenant en Centrafrique. On doit avoir autour de 1 000 en Mali. On a environ 600 maintenant en Libye, on en a très peu, on doit en avoir une centaine, au Soudan même pas. Et au Burkina Faso, on vient d'apprendre qu'il y a au moins une cinquantaine de personnes qui est arrivée. Donc ça doit faire autour de 3 000, 4 000 sur les terrains, on va dire, plutôt africains, Moyen-Orient. Et on a la Syrie, où peut-être il reste environ 500 personnes. Donc ça doit être 4 000, autour de 4 000 à l'étranger, plus 40 000 au moment très important de la guerre en Ukraine. Si je peux me permettre de compléter en élargissant sur le plan financier, puisque c'est cité dans le livre, le contrôle fédéral des finances suisses a évalué à 120 milliards d'euros le business annuel des sociétés militaires privées. C'est quand même considérable. Après, ça, c'est aussi, je pense que c'est une catégorie large qui englobe celles qui sont complètement légitimes et qui font pas de l'accompagnement de guerre, mais qui font juste de la sécurisation, comme je citais celles qu'on a chez nous, par exemple. Mais c'est vrai que c'est des business qui sont en devenir. Bonsoir. Comment s'informer sur Internet sans être influencé par des médias qui seraient pollués par la Russie ? Oui. Alors, moi, j'ai pas trop envie de rentrer dans ce débat de la Russie. Ils sont gentils, ils sont méchants.
par contre, la bonne question, enfin, la bonne manière de regarder, c'est déjà de regarder le type de source par laquelle vous obtenez l'information. Aujourd'hui, les gens commencent de plus en plus à s'informer sur les réseaux sociaux et perdent en fait du coup la connaissance de d'où vient l'information. On ne sait plus quelle est la source en fait de l'information. Donc même si nos médias sont décriés, etc., je ne parle pas de BFM, hein, je parle Le Monde, etc., ils continuent tout de même à faire leur métier de manière éthique, avec une conduite, et donc ça reste les meilleures sources d'information. La deuxième chose, c'est qu'il faut se poser la question de comment vous percevez l'information qui vous est délivrée. Si l'information, elle provoque une réaction émotionnelle très forte, il faut généralement se demander à quel point elle est correcte ou pas. Parce que la manière dont fonctionne une campagne d'influence, c'est un peu en fait la manière dont la publicité fonctionne. Ils utilisent les mêmes rouages. Ils vont essayer vraiment d'aller taper sur l'inconscient et la réponse émotionnelle. Et donc quelque chose où quand vous lisez un titre d'article ou un article et vous vous dites « Oh mais ça c'est scandaleux, oh là là ça me dépite, je suis triste » ou alors « Ah ah, bien fait, oh là, ce groupe, je savais que c'était vraiment un mauvais groupe », ce genre de réaction, il faut toujours un peu avoir en tête en disant « c'est quand même un peu étonnant ». Donc moi je dirais de vraiment retourner à la source, c'est-à-dire les médias qui savent travailler, les médias qui ont une vraie doctrine, les médias qui font ce qu'on appelle la contradictoire, où ils vont aller, quand ils vont parler de quelqu'un, ils vont aller voir cette personne et ils vont lui dire « Bah voilà, on est en train d'écrire sur vous, est-ce que vous avez un commentaire ?» qui vont donner la parole aux deux parties, ça me paraît être une bonne façon de faire. Après, il y a aussi malheureusement le flux de l'information qui est très rapide et donc l'ensemble des médias, même ceux qui travaillent très bien, ont malheureusement tendance à essayer d'aller au plus vite, au scoop. Et donc, parfois, ça peut donner lieu à, pas forcément de la fausse information, mais une information qui n'est peut-être pas grattée suffisamment et peut-être pas suffisamment juste. Sur le conflit, par exemple, israélo-palestinien, attention, il y a énormément, on joue énormément sur le côté émotionnel. Les deux parties surutilisent les enfants, par exemple, dans tout ce qui est projeté. Et donc, il faut prendre du recul. Ça peut être aussi de décider de pas forcément tout de suite sauter sur l'actualité et d'attendre un petit peu. Merci. Une autre question ? Je m'interroge un peu. Wagner a pris évidemment une dimension très importante, mais qu'est-ce qu'il y a de réellement nouveau ? Moi, dans ma jeunesse, on parlait de Barbouze en France, hein, par ailleurs. Et j'ai entendu il n'y a pas très longtemps une formidable émission sur France Culture qui témoignait d'anciens nazis qui ont été dénazifiés par les instances juridiques et qui ont agi en sous-main dans pas mal de conflits et qui notamment, ça c'était assez remarquable, fantastiquement remarquable, cet ancien dont j'ai mangé le nom malheureusement, qui avait beaucoup participé à la Shoah, et qui s'est retrouvé travailler pour Israël. Vous devez le connaître mieux que moi. Pardon ? Ah oui. Oui. Bon, après, il y en a qui mangent entre guillemets à tous les râteliers. Et oui, en effet, ça existe tout à fait. Voilà ce que je veux dire. Mis à part la dimension, dans le principe, qu'est-ce qu'il y a de réellement nouveau ? Alors, tout à fait. Je suis complètement d'accord avec vous. Après, nous, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est, j'aurais dû le préciser au départ, All Eyes on Wagner, on a commencé à travailler sur le sujet, non pas forcément pour montrer quelque chose de nouveau, mais parce qu'on s'intéressait à l'ensemble des exactions qui étaient commises par le groupe Wagner. Et ça, malgré ce qu'on en dit, en effet, les barbouzes existent, etc., la dimension exaction, par contre, est inégalée concernant le groupe Wagner. C'est le premier point. La deuxième chose, c'est que autant de nos barbouzeries de la France-Afrique,
Il n'y avait pas cette profusion d'informations en ligne, il n'y avait pas de réseaux sociaux. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui change totalement la façon de faire la guerre et de faire des opérations d'influence. À l'époque, c'était je vais bourrer les urnes de machin, je vais lui mettre 2-3 conseillers de com qui vont lui faire sa campagne, je vais peut-être créer une petite feuille de chou, etc. Là, on est quand même, je vais payer 2-3 mecs, complètement en ligne. Hein. Là, on est quand même, par contre, sur un autre niveau. J'ai envie de dire, c'est barbouzerie sous stéroïde, quoi. C'est vraiment un autre niveau. Et ça, ça nous intéressait. C'est aussi parce que c'est un peu lié à nos profils, à ce qu'on fait dans nos boulots de manière respective. Il y a une autre dimension qui est assez intéressante, dont on n'a pas trop parlé aujourd'hui. C'est aussi le côté transnational. Le fait qu'on est tous connectés, finalement, l'action n'a pas forcément totalement lieu que dans un pays. Autant notre barbouzerie, c'était localisé vraiment dans le pays et ça n'en sortait pas. Et voilà. Là, ce qui est assez intéressant, c'est que vraiment le groupe Wagner utilise, paye, recrute des gens qui ont une influence non seulement dans les pays cibles, mais aussi auprès des diasporas qui ne sont pas forcément dans le pays au moment où ils créent leur influence. Et qui déraille un certain nombre de choses. Ça, c'est aussi assez intéressant, voilà, d'un point de vue enquête. Mais sinon, oui, les marchands de mort, ils ont toujours existé. Ouais. Monsieur devant. Merci. Vous avez évoqué le modèle économique de Wagner, qui en Afrique, en gros, se paye sur la bête, c'est-à-dire en menant de la prédation sur les ressources. Mais en Ukraine, comment est-ce que c'est financé? Ils sont financés par le Kremlin. Et c'est à hauteur, c'est autour de 1 milliard sur un an. Un milliard de dollars. Et ça, dans le dos de Shoigu? Alors, non, c'est pas forcément dans le dos. Faut pas le voir comme ça. Tout n'est pas blanc ou noir. Il faut bien se rendre compte qu'au moment où la guerre a été enclenchée, donc voilà, très rapidement, on arrive au bout des 3 jours, problème, il faut continuer, etc. L'armée russe, en fait, n'est pas populaire. Pour ce que j'avais expliqué, c'est-à-dire voilà, les guerres précédentes, il y a eu un taux de casse tellement énorme et c'est un vrai problème sociétal gigantesque que l'armée, elle ne fait pas envie. Et donc, très rapidement, ils ont dû aller chercher quelqu'un comme Prigogine, qui, lui, en Russie, jouit vraiment d'une très bonne réputation. Et donc c'est pour ça que ça se fait. C'est de circonstance quelque part. Mais ça les empêche pas après de se tirer dans les pattes. Madame. Vous avez dit, et vous venez de le rappeler, que M. Prigogine est très populaire. Alors comment a été reçue son exécution dans la société civile? Alors plusieurs choses. Le groupe Wagner reste très populaire et aujourd'hui, donc par exemple, ils ont, on parlait des films, ils ont fait des films, ils ont tout un merchandising, on peut s'acheter le polo Wagner, le porte-clés Wagner, etc. L'imagerie du groupe Wagner, en fait, est très populaire. Et c'est pour ça qu'on parle de marque Wagner et qu'on pense que ça va continuer parce que ça parle. Ça parle notamment en Russie, mais ça parle aussi à leurs clients dans d'autres pays. Donc ça ne va pas bouger. Sur la réception de la mort, ou en tout cas de la mutinerie, et après de sa mort, etc., il y a eu un peu un mélange. Il y a eu des... nous, on regarde un peu le bruit hein, qui émerge en ligne. Il y a eu une partie voilà, des gens qui participent à ce dialogue qui étaient déçus que Prigogine n'ait pas mené sa mutinerie jusqu'au bout et qui auraient voulu une réponse plus ferme, plus forte, parce qu'ils ne tolèrent pas la manière dont la guerre est gérée. Et puis, juste après cette mutinerie, il y a eu aussi un effort. Oh, ça va m'obliger d'expliquer un truc. En Russie, il y a un mécanisme de censure qui existe, où en gros, les journaux, on leur donne un peu des éléments de langage en leur disant « vous pouvez parler de ça » ou « vous pouvez ne plus parler de ça ». Et il y a un mécanisme, il y a comme un espèce d'outil technique qui permet en fait de surveiller ce que les gens racontent en ligne. Et ils ont des mots-clés
Et quand quelqu'un de connu dit « j'adore Prigogine, je déteste Vladimir Poutine », la machine, en fait, repère ça. Et après, il regarde, OK, qui c'est ? Très bien, c'est ce monsieur. Une procédure juridique est enclenchée et le monsieur en question est déclaré ennemi d'État. Jusqu'à la mutinerie, Prigogine faisait partie, était protégé par ce dispositif et donc il faisait partie des mots-clés qui, d'un coup, allumaient des alarmes si on en parlait. Au moment de la mutinerie, l'ordre est passé, on ne peut plus parler de Prigogine. Donc d'un coup, à la télé, il ne parle plus de Prigogine. Prigogine disparaît. On coupe, on ne peut même plus accéder au site internet des médias qu'il gérait. On va dessus, Riafan, coupé, on ne peut plus y aller. Dans son entourage, il a 2-3 personnalités avec qui il travaille qui sont assez connues. D'un coup, ces personnalités, leur compte VK, qui est le Facebook russe, coupé, on ne peut plus y accéder. Donc en fait, ils ont l'État russe a en fait effacé, tout bêtement, enfin tout simplement, Prigogine. Et donc une partie de la population s'est rendu compte que c'était un peu touchy et qu'il fallait peut-être mieux pas aller plus loin en fait. Oui, vous parlez de l'Afrique et quid du Niger où on voit un coup d'État et derrière immédiatement des drapeaux russes qui apparaissent. Est-ce que là, on n'est pas à l'état supérieur de la réussite pour les Russes ? Ouais. Alors, le Niger, c'est un cas très intéressant parce que c'est pas du tout les Russes qui sont derrière. Ou a priori, c'est pas du tout les Russes qui sont derrière. Je vais plutôt le mettre comme ça plutôt que faire des certitudes. Et on a vu deux choses. La première chose, c'est que le drapeau russe, c'est aussi devenu un espèce de symbole anti-establishment africain. De contestation des régimes qui sont en place. C'est beaucoup utilisé dans ce cadre-là. La deuxième chose qu'on a vue, c'est qu'au moment où il y a le putsch, donc on est fin juillet 2023, la mutinerie a déjà eu lieu, donc l'appareil de Prigogine est quand même sérieusement en difficulté à ce moment-là. Et on voit qu'il y a une tentative de montrer à l'État russe qu'ils sont très bons et ils fonctionnent. Donc, ils ne vont pas nécessairement être sur place. Néanmoins, dans la première semaine du putsch, ils vont faire pas mal ce qu'on appelle des attaques informationnelles coordonnées, c'est-à-dire qu'ils vont utiliser des faux comptes qu'ils ont, les journaux qu'ils ont, les journalistes qu'ils ont l'habitude de payer, etc. Ils vont les utiliser pour produire du contenu qui va être plutôt anti-impérialiste, plutôt pro-russe, ils vont faire courir la rumeur que le groupe Wagner est à la frontière et ils vont essayer d'aller rencontrer la junte, donc a priori il y a une rencontre qui aurait été faite, pour leur vendre leurs services, etc. Et puis après ça capote un petit peu. Donc c'est ça qui est assez intéressant en Afrique, c'est que dans ces pays-là, le drapeau prend aussi une signification purement locale qui est de contestation de ces élites qui sont vues comme des élites corrompues. On en a vu au Sénégal aussi un petit peu quand il y a eu les manifestations en juin. Voilà, nous arrivons tranquillement. Alors, une dernière question, madame. Je suppose que les États-Unis regardent tout ça de très près, non ? Tout à fait. Les États-Unis sont très actifs. Je vous l'avais dit, en termes de, par exemple, mise sous sanction, c'est eux qui mettent le plus d'entités qui appartiennent au groupe Wagner sous sanction. Et puis, aujourd'hui, les États-Unis, ils essayent de négocier pour le camp occidental ou pour leurs intérêts à eux aussi. Et donc, par exemple, en Centrafrique, ils ont mis carrément un chèque sur la table pour Touadéra, en disant à Touadéra, évince les membres du groupe Wagner et tu touches tant. Ils essayent d'envoyer une organisation, un groupe de sécurité privé qui s'appelle Bancroft. Donc ils disent, t'as besoin de protection, on peut t'en donner, voilà. Et donc oui, ils suivent de très près, évidemment. Merci Lou de nous avoir fait partager votre expérience, vos travaux. Voilà, elle mérite effectivement vos applaudissements. Je rappelle que dans votre livre Wagner, enquête au cœur du système Prigogine, il y a énormément d'informations
qu'elle soit stratégique, avec beaucoup de recul, que très précise, et on voit la somme de données que vous avez réunies pour cet ouvrage très, très documenté. Donc pour ceux qui veulent en savoir plus, n'hésitez pas, c'est un livre extrêmement intéressant. Oui, merci Martial. Je me permets de ne pas respecter la règle du jeu, je voudrais poser une question à Lou. Il y a eu beaucoup de questions, il y en a une sur laquelle on n'est pas allé jusqu'au bout, c'est celle de l'Ukraine. L'Ukraine demain, c'est quoi ? On arrive bientôt à 2 ans de guerre, une guerre de position. Donc, quelles sont les hypothèses plausibles pour la suite de cette guerre ? Alors, je déteste jouer les Madame Irma parce que généralement, ça capote à tous les coups. Je pense qu'il faut regarder un petit peu où en est le conflit aujourd'hui. Il y avait beaucoup d'attentes sur une contre-offensive et peut-être un niveau d'attente qui était peut-être trop par rapport à ce qui pouvait être fait. Donc aujourd'hui, il y a les positions stagnent un peu des deux côtés et le fait qu'on s'enlise dans cette guerre, c'est pas forcément une bonne nouvelle ni pour un camp ni pour l'autre. Il y a énormément de pertes aussi. Pour rappel, les pertes ukrainiennes, c'est un sujet qui est très tabou, donc on sait pas vraiment ce qu'il y a en face. Il y a aussi des attentes vis-à-vis des partenaires occidentaux internationaux qui n'ont pas forcément été totalement à la hauteur, qui ont été compliqués à négocier et qui continuent à être assez compliqués. Les opinions, notamment européennes, elles sont pas forcément et les gouvernements, ils sont pas forcément préparés pour une guerre qui est une guerre de long terme. Et puis après, on a malheureusement des échéances électorales qui aujourd'hui sont en train d'arriver dans plusieurs gros pays. Les États-Unis, la France en fait partie. On a des renouvellements au niveau de l'Europe. Et ça, moi, à titre personnel, donc c'est mon opinion personnelle, me font craindre, si on voit un Trump, par exemple, réapparaître aux États-Unis, qu'on change complètement de portage sur la guerre en Ukraine et qu'on rentre sur une stratégie plutôt de négociation avec le pouvoir russe. Et l'histoire nous prouve que négocier avec Vladimir Poutine n'est jamais vraiment sur notre intérêt ni garant de la paix. Voilà, sans rentrer dans un débat idéologique. Voilà, l'histoire nous prouve que ça n'a jamais été très très bon en fait. Merci Lou, je vous avais dit qu'elle était exceptionnelle. Donc je pense qu'elle mérite vraiment un applaudissement appuyé. Moi je suis impressionné qu'une jeune femme comme ça puisse être impliquée autant dans cette géopolitique, dans tout ce qui nous entoure, qu'elle ait accès à toutes ces informations qui la passionnent bien évidemment. C'est jamais fini quoi, c'est un travail permanent. Donc merci Lou. Je vous donne rendez-vous le 7 décembre où on va recevoir une autre femme exceptionnelle qui est Sylvie Berman. Alors Lou la connaît peut-être. Sylvie Berman a été la première femme ambassadrice de France. Elle était ambassadrice de France en Chine, en Russie, en Grande-Bretagne, à l'ONU. Donc elle a une vision complètement panoramique de ce qui s'est passé au cours des 30 dernières années dans le monde. Et on a voulu, dans le cadre de nos rencontres de Livre en Marche, on essaye d'essaimer la matière à penser, de faire un focus en fin d'année sur tous ces mouvements géopolitiques que l'on subit et qui auront probablement des conséquences sur notre vie au quotidien. Donc merci Lou. Je vous rappelle qu'elle a ce superbe livre édité par les éditions du Faubourg. Heureusement que les éditions du Faubourg sont là parce que ça permet de transmettre cette connaissance. Et donc la librairie Garin est derrière. Vous pouvez prendre les livres et Lou se fera un plaisir de les signer et de vous faire une petite dédicace. Merci encore et merci à Martial pour son efficacité redoutable.